Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on est jeudi. Hein. Les numéros du jeudi en simple gagnant placé pour cette période-là avant l'été. Faut faire attention aux 6 et aux 9 en simple gagnant placé. Sinon, le jeudi, les numéros du jeudi, c'est 3, 4, 5 et 10, 5, 2 sinon. 3, 4, 5 ou 10, 5, 2 en simple gagnant placé. Et on va regarder un petit peu le type de course qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qui est bon à jouer? Il y a environ 45 courses sur l'application PMU tous les jours. Le jeudi, donc 3, 4, 5 ou 10, 5, 2 ou 6, 9 en simple gagnant placé. Voilà. Tu as trois types, trois simples placés, trois, tu as deux trios et une paire de simples gagnants placés, sinon. À jouer sur beaucoup de courses aujourd'hui. On a des courses à 13 partants, 11 partants, 16 partants, 7 partants, 9 partants, voilà. 6 partants, 8 partants. Tu as des courses avec peu de partants. Sur ma vidéo là, sur YouTube là, ou sur Facebook, ma vidéo que j'ai postée lundi pour la vidéo qui était de 2022 ou 2023, là. Je vous ai posté une vidéo lundi. Tu as des combinaisons pour des courses avec peu de partants comme ça. Quand tu joues une course avec peu de partants comme ça, tu joues 4 numéros, tu mets l'option tous les ordres en Super 4. Tu vois, en 7 partants, t'aimes bien retrouver une suite de chiffres à 7 partants, voire avec un petit décalage. Tu peux avoir 7 As 2 3 ou 7, 2, 3, 4, tu vois, un truc comme ça, ou 6, 7, 6, 7, As 2, 6, 7, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. C'est des combinaisons pour les courses à 7 partants, c'est bon, hein. C'est bon à jouer. Hein. Il y a des courses avec peu de partants aujourd'hui, il y en a beaucoup, il y a 7, 6, 9 partants, 7, 6, 9, 8 partants, c'est bon à jouer ces courses-là. T'aimes bien retrouver des suites de chiffres, même à 8 ou 9 partants, à 9 partants. Tu mets 8, 9, As 2, 8, 9, 2, 3, 6, 7, 8, 9, des trucs comme ça, des super 4 possibles. À 8 partants, c'est pareil, 8, As 2, 3, 6, 7, 8, 2, 6, 7, 8, As, c'est des combinaisons possibles pour les courses avec peu de partants. Voilà. Tu joues 4 numéros, tu mets l'option tous les ordres dans super 4. Hein. Voilà. Généralement, c'est des super 4 qui payent très bien. Hein. Aujourd'hui, les super 4 vont payer très bien, je pense. Hein. Parce qu'à côté, on a des courses avec beaucoup de partants. Ouais. Pour le quintet, je m'exprime pas sur le quintet. Je sais pas. Réunion 1, course 6. On va regarder vite fait quand même. Hein. Il y a 1850 mètres. Réunion 1, course 6. On part à quelle heure? À 20h15. Hein. 20h15, Réunion 1, course 6. On est en 2024, égalé 20 et 24 avec les chiffres qui vont faire l'arrivée. 5 x 4, 20 ou c'est quoi? C'est 6 x 3, 18. 6 x 4, 24. 5 x 4, 20. Voilà, 6 x 4, 24 ou 5 x 4, 20. Pour égaler 2024, 20 et 24. Voilà, c'est le truc tout bête. Après, si le 4 ne te convient pas, tu essaies de le retrouver autrement. Tu fais 7 moins 3, ou le 4, tu peux le retrouver en 13, 3 et 1, ou en 15, 5 moins 1. C'est des calculs qui sont possibles, que je me permets de faire. Pour obtenir 4, ou pour obtenir 6, tu peux l'obtenir en 15. Tu fais 8 et 7, ça fait 6. 8 et 7, 8 et 7, 15, 5 et 1, 6. C'est des calculs qui sont possibles pour moi, voilà. Si ça ne te convient pas, si la cotation ne te convient pas, si le cheval ne te convient pas, tu le prends autrement, voilà. Réunion 1, course 6, donc, soit tu prends le favori, soit une cote autour de 16 contre 1. Réunion 1, course 6, ça fait 16. Comme 15 contre 1, 16 contre 1 ou 17 contre 1, tu ne vas pas non plus trop haut ni trop bas. Soit tu prends le favori ou soit le 16, voilà. Le 16 est non partant pour le quintet, voilà. Les cotations, il y a le favori, on a le 2 ce matin, le 3, pardon, ce matin. Réunion 1, course 6, on a le 3 en favori à 5,8.
Ou alors une cote autour de 15, 16 ou 17 contre 1. On a quoi là? On a peut-être le 12 qui va passer autour de ces cotes-là, ou peut-être le 4 aussi. Le 4, le 12. Donc on a 4, 12, 3. 4, 12, 3, déjà en 2 sur 4, ça devrait être pas mal. Après, si tu veux compléter ton mode de déchiffrage avec 4, 12, 3, égale les 20 et 24. Pour 2024, avec 4, 12, 3, comment on fait? 4 fois 3, 12. 12 et 12, 24. Égale les 20 et 24. 4 fois 3, 12. 12 et 12, 24. Déjà, si on en a un, c'est bien. Après, si tu veux obtenir 20, tu mets le 5. Tu mets 5 fois 4, 20. Ou le 5, tu le prends autrement. Tu le prends 14. Ou alors le 5, si tu as 12, 3, 4, le 5, tu fais 12, 12 moins 5 égale 7. Tu prends le 7. Voilà. On a peut-être la combinaison à 7-4 aujourd'hui et prendre à côté, je sais pas, à 7-4, 2-6-9, 15, je sais pas. Ou alors on fait que le 15, il est un peu riche, hein, mais bon. On a 1800 mètres, 1850 mètres à 20h15. Voilà, obtenir la date de 2024, obtenir 20 et 15 pour 20, 20h15. Voilà, obtenir 13, c'est bien d'obtenir 13, le chiffre de la chance par des calculs. 9 et 4, 13, 10 et 3, 13. 6 et 7, 13, 8 et 5, 13. Hein, c'est ça, 8 et 5, 13. 9 et 4, 13. Voilà, 10 et 3, 13. 11 et 2, 13. Le 13, bêtement, ou 14 moins 1. Donc, le moins 1, tu le retrouves comment? Tu fais 14, 4 et 1, 3, divisé par 3, donc 14, 3. C'est possible, ça fait 1, 14 et 3. C'est des calculs que je m'autorise à faire, les gars. Après, chacun fait son truc. Hein. Mais bon. Après, avec la cotation du favori ce matin, 5,8, on aurait comme numéro, donc, attends, un déchiffrage pour obtenir 24. Donc, on a 12, 3, 4. Avec la cote du favori de 5,8, on prend le 5 et le 8, on fait comment? On fait 12, 3, 4, 5, 8, on fait comment? C'est des quintas qui sont possibles, hein. 12, 3, 4, 5, 8, après on fait comment? 12, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 3, 4, 5, 8, 6. On peut se retrouver Mendy Zabal, et il a une belle cote à 52 contre 1, mais c'est Mendy Zabal, hein, c'est Joe Spirit, c'est des 5 ans, des 4, 5, 6 ans. Ah ouais, des 4, 5, 6 ans, j'aime bien ce déchiffrage. Avec des 4, 5, 6 ans, là, ce qu'il me propose avec l'âge des chevaux, j'aime bien ce déchiffrage. Alors, les 6 ans, il y a quoi? On va prendre les plus vieux, le 6 ans, il y a le 8, le 9, le 10. À côté, on aurait quoi? On aurait des 4 ans, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 4 ans. Le 12, le 15, le 11, le 7, le 5, le 4. Hélas, les 5 ans, il y a quoi? Il y a le 2, le 3, les 5 ans, 2, 3, 6. Des 5 ans, il y a 2, 3, 6, 13, 14. On n'a peut-être que 2, 5 ans. Hein. Mais bon, c'est pas pour déchiffrer. Je ne vous donne pas un prono, je vous donne ma façon de déchiffrer. Donc, une cote de 5,8 du favori. Donc, soit on a le 5 et le 8, avec 3, 12, 4. Ou alors, attends, je vais regarder un autre truc après. Ou alors à 5,8, on compte 16. À partir du 16, tu comptes 8. Donc 16, 15, 14, 13, 12, 11, et on aurait le 9. On a 5, 6, 7. Avec le 5, tu fais plus 2. Ça fait 5, 6, 7. 5, 6, 7, 9, 12, 3, 4. C'est pas mal, ça. Hein? Après, la cote va bouger, mais ce matin, on a 5, 7, 8, 9, 12, 3, 4. Après, il faut en récupérer que 5. Faut pas mettre 5, 7, 8, 9, 12, 3, 4. Ça fait 7 numéros. Si tu gagnes quelque chose avec 7 numéros en quintet, il faut miser assez lourd. Hein. Donc, on va alléger la mise. On va enlever 1, voire 2 numéros. Puis, on peut jouer 5 numéros en quartet. Ou en quintet, mais on mise pas grand-chose. Tu peux pas jouer 8 numéros, 7 numéros en quintet, ça te revient trop cher.
Et les gains, tu les auras forcément dans le désordre, parce que si tu mets 7 ou 8 numéros dans l'ordre, sur ton ticket, tu payes 5 blindes, hein. Tout le monde n'a pas la possibilité de faire des tickets comme ça. Mais bon, t'essaies de trouver 5 numéros, voilà. Bah, si tu as 12, 9, 8, 7, 6, non, c'est quoi? 5, 6, 7, 9, 12, 3, 4. Si tu as 5, 6, 7, 9, 12, 3, 4, égale les 20 et 24, égale les 20h15, tu vas forcément mettre des numéros de côté. Tu vas forcément t'assembler des numéros. Et tu mets l'option plus 1, moins 1 quelque part. Tu fais 12, 9, 5, 6, 7, 3, 4. Tu fais 12, 9, 5, 6, 7, 3, 4, 2. Ou alors tu fais 12, 9, 5, 6, 7, 3, 4, 8. Tu fais 12, 9, 5, 6, 7, 3, 4, 10. Voilà, tu t'autorises à plus 1, moins 1 quelque part. Voilà, pour faire des calculs. Voilà. Mais c'est les numéros qui me semblent bien pour ce quintet, mais attends. 12, 5, 6, 9, ça ferait quoi ça? Entre le 8 et le 9, non, non pas, je parle pas du 8, entre le 8 et le 9, un 6 ans, je pense qu'il devrait y en avoir un, entre le 8 et le 9, un 6 ans. Après, on peut se retrouver effectivement qu'avec des 4 ans. Hein. On a 4, à part le favori, quoi. 3, 4, 3, 4, 5, 6, 9, ou 3, 4, 5, 6, 8. Et tu conclus par un numéro, percutant ou un nom qui te plaît, je sais pas, un numéro de chance, genre le 10 ou le 13, ou voilà, encore un numéro pour fermer ton pari, quoi. Ou alors on se retrouve avec 9, 6, 3, 2. On a peut-être 9, 6, 3, 2, on a peut-être que des 4 ans et des 5 ans, hein, mais il y en a beaucoup, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Ah, il y a 12, 3, 4 et 5 ans, hein, putain. 9, 6, 9, 6, 7, 3, 2. 9, 6, 9, 6, 3, 2. 9, 6, 3, 2, quoi? 9, 6, 3, 2. Ou alors on a 10, 12, 3, 2. 10, 12, 3, 2. C'est des arrivées qui aiment bien se plaire aussi. Ou alors 10, 12, 2 As, des trucs comme ça aime bien se plaire, ces combinaisons comme ça. Ça aime bien se plaire. Bon, j'ai que 15 minutes de live, les gars, je vais arrêter. Mais bon, aujourd'hui, l'accent sur les courses avec peu de partants. Hein. Tu as des combinaisons sur ma vidéo de lundi. Je marquais comme titre sur la vidéo de 2022-2023, là. Et tu as des combinaisons pour les courses avec peu de partants, comme ça, des 6, 7, 8, 9 partants. T'as des combinaisons. Et les chiffres, les simples placés gagnants du jour. Hein. Donc le jeudi, c'est 3. Mardi, c'est 1, 2, 3. Mercredi, c'est 2, 3, 4. Et jeudi, c'est 3, 4, 5. Voilà. Et numéro 10, 5, 2. 3, 4, 5 ou 10, 5, 2 en simple gagnant placé sur beaucoup de courses. Et sinon, tu t'orientes sur le numéro 6, 9. On est à la période de estival, là, en préparation du business d'été pour les magasins, les boutiques, donc beaucoup de relations humaines, d'amour, tout ça, donc 6 et 9, hein. Les importants du moment aussi, c'est les vraiment qui vont s'inviter en ce moment. Allez, bisous l'équipe, bisous.